Bonsoir et merci de venir nombreux assister à ma conférence au Petit Théâtre. Je m'appelle Micromégas. Je viens de Sirius. Le choix premier de la mise en scène et de l'adaptation de cette leçon de Gai Savoir de Voltaire était d'abord une rencontre joyeuse avec Éric Sanson, le comédien, et l'équipe de nos deux scénographes, Éric Charbot et Philippe Casabon. On voulait ce projet comme cela, très lumineux, très solaire, et pour mettre en valeur le texte et le conte philosophique de Voltaire, Micromégas. Au tout départ, le livre, je l'ai offert à Éric. Il a lu longuement. On a mis des années, en fait, à en parler, parce que c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est de parler d'un sujet et de le nourrir au fil du temps. La matière est venue petit à petit et un jour, Éric Sanson a dit « ça y est, je fais Micromégas ». Oh, atome intelligent, dans qui l'être éternel ne sait plus à manifester son adresse et sa puissance. Vous devez goûter des joies bien pures sur votre globe, car ayant si peu de matière, et paraissant tout esprit, vous devez passer votre vie à aimer et à penser. C'est la véritable vie des esprits. Je n'ai vu nulle part le vrai bonheur, mais il est ici sans doute. À ce discours, tous les philosophes secouent la tête. Et l'un d'eux, plus franc que les autres, m'avoue de bonne foi que si l'on en accepte un petit nombre d'habitants fort peu considérés, tout le reste, je dis bien tout le reste, est un assemblage de fous, de méchants et de malheureux. Donc la rencontre, elle s'est avérée et Micromégas est devenu cet interprète de la critique du raisonnement parce que je crois, et même moi la première, je crois que dans cette société-là, il nous arrive de beaucoup raisonner de tout sans vraiment en avoir la connaissance et la raison première. Et ce conte philosophique fait la part à toutes ces personnes et ces êtres qui débattent de tout sans réellement créer cette matière autour. Voilà. Et Micromégas est ce personnage-là et rentre dans l'histoire pour nous apporter cette finesse de l'esprit à travers le conte.